Bonjour à tous, bienvenue sur Je suis Lee. Aujourd'hui, nous allons découvrir un petit album tout mignon, tout sympa, issu de la série télé, alors que je ne connais pas puisque nous n'avons pas la télé à la maison, mais qui s'appelle Une saison au zoo, qui apparemment passe sur France 4, et qui s'appelle Je découvre les bébés animaux avec Une saison au zoo, donc qui est un petit livre destiné aux 2, 3, 4 ans dans ces eaux-là. C'est parti! Nous avons donc un petit album à la couverture un peu molletonnée, toute douce, qui est vendu au tarif de 6,95 €. Ce sont des pages papier, donc à ne pas forcément laisser dans les mains des tout petits enfants. C'est une édition de chez Larousse, jeunesse. Et voilà, donc l'enfant va avoir l'opportunité de découvrir tous ses bébés animaux dans le cadre de leur accueil dans des zoos, dans un zoo, dans le zoo de la Flèche en l'occurrence, pour leur préservation. Donc c'est toujours la même structure de page. Le bébé animal est présenté. Il y a quelques faits en lien aux photos qui sont prises. Ensuite, les enfants qui suivent la série pourront retrouver un des animaux qu'ils ont l'habitude d'y voir. Et il y a toujours un petit fun fact, un petit élément insolite à découvrir. Donc on a le tigre par exemple, le lionceau ici, j'en zappe, hein, au courant, le makikata. Voilà, il y a vraiment toutes sortes d'animaux, le bébé hippopotame, l'ourson polaire, le bébé rhinocéros. On n'a que des mammifères, hein. Le bébé du grand kangourou. Et voilà, je pense qu'il y avait quelques mammifères marins, si je me souviens bien. Il devait y avoir la loutre ou l'otarie. Le bébé suricate. Voilà, les saïmeries et les otaries, qui sont les seuls animaux marins accueillis a priori. C'est donc un album que nous, à la maison, on a bien aimé. Je l'ai lu avec mon fils qui a 6 ans et demi. Et qui l'a apprécié parce qu'il aime beaucoup découvrir des choses, connaître des choses sur les animaux. C'est pas un album qui l'a révolutionné parce qu'il a un chouïa grand, mais je pense qu'il plaira beaucoup à des enfants qui ont autour de 3-4 ans puisque c'est la pleine période des trucs d'animaux. Voilà, c'est un chouette album, facile à transporter, qui recèle plein d'infos. Je pense que pour tous les petits fans d'animaux, c'est une série à découvrir sans hésiter. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur Je t'y lis pour d'autres découvertes. Au revoir.